Chers amis bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce du bon Dieu soient avec vous tous. C'est un plaisir que nous gagnons, une fierté pour nous capables avec vous dans la semaine. Faites ça sur la Bible. Faites de la Bible sur la voie évangélique d'Haïti, la radio, télé, 4VEH. une semaine qui est extraordinaire. une semaine qui gagne un pile de que les a pour vous-même, frère Maxime à travers le monde entier qui pourrait gagner l'opportunité pour, pour être capable de suivre l'émission Silayo sur Radio Télé4VEH. Thème pour euh, ça thème général, là, c'est la Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. La Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. Et le sujet qui était euh, euh, voyé par nous-mêmes pour être capable d'intervenir, on souligne la semaine, c'est la Bible. Et utile pour instruire dans la justice. La Bible est utile pour instruire dans la justice. Pour maxime, nous espérons que bon Dieu va donner des opportunité, une uh, force, une uh, inspiration, que bon Dieu va mettre en souvenir pour que nous sommes avec nous, nous sommes capables de faire parcours ça ensemble. Dans l'étude de la parole de Dieu, nous ouais. utilité de la Bible comme la parole de Dieu qui est capable d'instruire nous dans la justice. La Bible, la, Bible, la... Parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible, c'est le thème général de cette fête de la Bible sur la voie évangélique d'Haïti, la radio télé 4VEH. Et je parle inviter ou capable d'ouvrir Bible ensemble avec moi, dans un texte de base là qui c'est 2 Timothée, le verset, Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. 2 Timothée chapitre 3, les versets 16 et 17. M'appelez-vous pour vous-même. Toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alors ça qui est plus euh, concerne nous-mêmes euh, dans la méditation, hein, c'est parti ça, verset 16 qui dit, pour instruire dans la justice. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté de miséricorde, Dieu de toute grâce excellente. Nous te disons merci pour ton amour, pour ta grâce. Toi qui as toujours été avec nous quand nous devons prendre la parole en ton nom, nous réclamons, nous implorons en cet instant béni ta faveur, ta présence, ton onction, afin que nous puissions délivrer avec autorité et exactitude ce message que tu nous as confié. Que l'onction divine repose sur nous en cet instant. Nous réclamons toute sa faveur, non en vertu de nos œuvres méritoires, nous n'en avons aucune mais c'est par les mérites infinis de Jésus-Christ ton fils lui qui vit et règne dès maintenant et à jamais. Amen. La parole de Dieu c'est la Bible et ça les bons pour moi avec vous nous de prendre plaisir dans lire la Bible qui c'est parole bon Dieu pour qui ça parce que gagne plusieurs avantages la Bible gagne utilité a une nécessaire. Et parce que nous plusieurs prédicateurs qui ont déjà ouais avec nous, l'autre avantage que pour nous être capables de rester branchés, connectés sur la Bible, nous-mêmes, ce que nous avons pour nou avec vous, particulièrement, c'est la Bible est utile pour instruire dans la justice. La Bible est utile pour instruire dans la justice. Nous souhaitons, à travers la méditation pour le bon Dieu, convaincre pour capable comprendre que les plus que important, les nécessaires, indispensables, pour capable faire de la Bible votre livre de chevet, pour capable faire la Bible un livre que vous avez mis avec lui, un livre qui est toujours à bord côté ou, un livre que vous voyagez avec lui. Il y a un livre que vous lire chaque temps, il y a un livre qui qu'on uh, sur papier dur, qu'on gagne sur le téléphone, il y a un livre qui est capable d'aider au connaître qui est bon Dieu, qui bon est bon Dieu à partir de vous-même. Et nous promettons également à travers la méditation pour le bon Dieu pour nous essayer de répondre à la question ça, à, qui est la Bible, c'est quoi la Bible. Et pendant que nous allons essayer de répondre à la question c'est quoi la Bible, nous allons profiter, justement, de évoquer quelques informations, bah ou quelques idées sur la Bible, sur la Bible qui s'appelle le Bon Dieu, euh, comment nous gagnons les aujourd'hui. Nous allons essayer également, uh, brièvement, d'évoquer l'inspiration de la Bible et nous allons voir la Bible comme boussole. Non. Dans le deuxième niveau, nous allons répondre à la question ça, pourquoi la Bible Donc, quel, quel est son Importance. Pourquoi la Bible? Pour qui ça, moi-même ou même, qui nous nous c'est serviteur, de Dieu, nous avons besoin de gagner la Bible, la parole de Dieu avec nous, de la Bible, la de Dieu. nous avons besoin exemplaire, la Kaino. Il y a plusieurs versions, pour que ça nous avons besoin au moins exemplaire la Kaino. Nous allons, dans le sens où est la nécessité de la Bible, nous comprenons que l'indispensable important en pile pour gagner la Et dans deuxième niveau, nous allons surtout miser sur ça même qui fait euh, force euh, méditation, qui hein, c'est l'utilité de la Bible, en ce sens que les capables nous dans la justice. Et nous parlons plusieurs avantages qui gagnent, les gens le décident de marcher dans la justice. Les gens d'accord pour bon Dieu, instruisent dans la justice. Nous allons voir qu'il y ensemble davantage que ça. Et enfin l'application l'application ce message nous nous, va essayer, évoquer pour vous, Femma euh, but, objectif principal, qui fait que bon Dieu baille nous la Bible, qui fait que bon Dieu mende nous, pour nous capables amis avec la Bible, qui fait que bon Dieu encourage nous, pour nous capables de rester, uh, connecté connectés, rester branchés sur la Bible qui c'est parole bon Dieu. Vous pouvez remarquer que dans, le texte que nous gagnons, là, de Timothée chapitre 3, verset 16 et 17, donc c'est Apôtre Paul qui a parlé avec Petit dans la foi. Le jeune pasteur Timothée. Timothée, pasteur d'Éphèse, donc l'église d'Éphèse. Bon, bon Dieu inspiré, apôtre Paul, qui a parlé avec Timothée et qui montrait Timothée. Que toute écriture, l'écriture sainte, les saintes écritures, l'est inspirée de Dieu et l'est utile. L'est utile premièrement pour l'enseigner, enseigner, l'est utile deuxièmement pour le convaincre, les utile troisièmement pour le corriger et l'est utile également, enfin, pour l'instruire dans la justice. C'est quoi la Bible? Pendant que nous ne répondre à la question, qui est la Bible eh, que la euh, réponse en y a, est assez simple. La Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la parole de Dieu. réponse qui simple, est plus simple que nous c'est ça. La Bible, c'est la parole de Dieu. Je vais rappeler, je vais vous connaît que ce nou nou nou, que nous avons, les Bibles, je dis, ce que nous avons, comme Bible, nous, que nous avons servi avec les lycée c'est une révélation. Lise, yon, œuvre directement venue de Dieu. l'ici travail que bon Dieu lui-même fait et à travers des frères, il était uh, travail non même pour être capable de nous que nous gagnons là, et qui utilise nous en pile, en pile. En pile. La Bible est divisée en deux parties. Je pense que vous connaissez ça. C'est juste un bref rappel qu'on a fait pour vous. Elle est divisée en, en, en deux parties. La Bible, la parole de Dieu, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Donc, euh, parfois, il dit Ancien Testament ou Ancienne Alliance. Et ils dit Nouveau Testament ou euh, la Nouvelle Alliance. La Bible, la parole de Dieu, c'est une collection de 66 livres, une collection de 66 livres et ouvrages. Ils parlé de la Bible comme un livre extraordinaire. Ils ont une bibliothèque en ce sens que les tout livre, si a Bible, que moi dis, la donne. Et à travers la Bible, ils thème qui principalement un thème général que nous, qui couvrir toute la Bible, c'est que Dieu veut sauver l'homme pécheur. Tout ça qui fait, tout ça qui dit dans la Bible, ça qui, en finalité, c'est que Dieu t'a aimé sauver tout le monde qui a vécu dans le péché. Dieu veut, veut, veut nous sauver parce que moi et vous, nous sommes tous des pécheurs. Vous et moi, nous sommes des pécheurs. Dieu veut nous sauver. Et c'est ça qui, principal objectif, bon Dieu, qui fait que la Bible, qui est livre, qui est capable de nous faire en route, doit qui capable de nous marcher dans la volonté de Dieu. Euh, la Bible, lui montre que bon Dieu, lui remet en pile et que qui ça bon Dieu voulait faire avec nous l'éternel mes amis avec nous l'éternel baï nous la vie éternelle. Dans euh, en ce Testament, il y a 39 livres, c'est sorti dans Genèse, le livre des commencements pour nous arriver dans Malachi. En réalité, il y a classé en plusieurs catégories. La première catégorie, c'est les livres de loi. Il y a le Pentateuch, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc ça c'est les cinq premiers livres de la Bible. Il y a By enseignement sous façon que Peuple, la peuple Israël en particulier, t'as besoin de vivre pour faire bon Dieu. Plaisir, donc il y a les directives de Dieu. Tout ça a un rapport avec la loi, la loi de Moïse. Deuxième classement, c'est histoire. Donc des livres historiques au nombre de 12. dans Josué, Juge, Ruth, un de Samuel, un de Roi, un de Chronique, Esdras, Néhémie et Esther. Donc ça est dire livre il a eu, eu dit, y a j'ai dit, il raconte nous, rapportez-nous l'histoire du peuple d'israël qui établit dans la euh, dans la terre promise euh, le canard terrestre et après nous parle joindre ça et les livres Sapensio les livres de la poésie éboïque sautine job rive cantique des cantiques donc c'est Job somme proverbe ecclésiaste et cantique des cantiques si' yo yo il y a une façon écrit qui est plutôt différent de uh, l'autre livre, parce que c'est une sorte de, de poésie. Et puis nous parlons pour les livres historiques de classement qui fait. Comment on classer Ils vous classez Vous les cinq premiers livres comme uh, les grands prophètes, uh, Esaïe, Jérémie, Lamentation, Ézéchiel et Daniel. Et puis vous pouvez classer 12 uh, livres encore uh, pour les petits prophètes, Sotina, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas. Miché, Naoum, Abaku, Kosophoni, Agé, Zacharie, pour terminer dans Malachi. Mais ça c'est pour l'Ancien Testament, 39 livres. Et puis pour le Nouveau Testament, c'est parce que même sorte de classement qui fait, il y a le classer 4 premiers, il les évangiles, donc c'est Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et puis il y a un deuxième livre que est classé pour lui-même seul, il y a les livres historiques du Nouveau Testament, donc il racontait parcours à potio qui racontait fondation, l'église, l'église apostolique comme en été faite, donc c'est le livre des actes des apôtres, et puis après nous pouvons joindre ça, nous les épîtres. Épître, c'est classé en deux, c'est les épîtres de Paul, les épîtres de Paul, donc ils sont en romain, euh, les épîtres de Paul sont en romain, et nous pouvons joindre les rives en philémon, donc c'est un ensemble de livres. Que, euh, que paul lui-même était écrit, épître ou bien lettre. Et puis, nous pourrons le joindre également dans le deuxième niveau, les épîtres générales. Épître coup, -général. Hébreu, Jacques, 1 de Pierre, 1 et Étoile, Jean, euh, et épître de Jude. Et puis, nous pourrons le joindre enfin, le, le livre euh, uh, prophétique, si vous voulez, du Nouveau Testament. Donc, c'est Apocalypse de Jean ou Révélation. Mais ce qui est important pour moi, rappelez-nous que... Tout bagay si la yo, tout travay sa, li te fet pou yon sel objektif. bon Dieu qui voulait ramener l'homme vers lui, l'homme qui a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu, bon Dieu voulait ramener l'homme vers lui-même, bon Dieu voulait montrer l'homme que Jean était de vivre là, c'est Jean, bon Dieu lui-même, il était planifié mais malheureusement, depuis que je suis rentré, l'homme paraîtait dans ligne que bon Dieu te voulait que de vive là. Et c'est ça qui fait que bon Dieu lui-même l'a lui inspiré des mondes pour que nous capables de joindre la Bible, la parole de Dieu qui est capable aider nous plus ou moins qu'on ait la pensée de Dieu, qu'on ait qui sa Bon Dieu et qui sa bon Dieu par et qui aide nous rester dans la volonté, bon Dieu. Donc, d'accord à quoi, de dit, il y a Timothée, euh, les sept lettres, il euh, a été euh, dédicacé à, à le monde entier. Le monde, le monde entier pour nous capables de chercher, de connaître qui ça bon Dieu veut, qui ça bon Dieu capable d'inspirer nous, d'apprendre nous comment nous capables de vivre pour le bon Dieu. Donc, où va lire ça Après, il dit, Timothée appelé à rester fidèle à l'évangile et à s'éloigner des impies. Les sept lettres peuvent rendre sages à salut par la foi qui est dans le Christ Jésus. Donc, c'est ça qu'il dit, même avant verset 16, là. Et puis, dans verset 16, il dit, Toute écriture est inspirée de Dieu. Pour Maxime, moi fait un petit panorama, montrer nous que la Bible qu'on nous gagne aujourd'hui elle a qui est écrit par euh, euh, environ 40 auteurs sur des années, des années des années. Donc c'est c'est pas même profession que a gagné, il pas même même souche, il pas même origine, il pas même niveau social. Donc c'était ça berger, ça était roi, militaire, euh quel que soit ça était capable d'y à pêcher de poisson, etc. Donc des hommes euh, qui étaient e très formés c'est le monde que bon Dieu t'a choisi pour être capable de travailler et de nous gagner. Je dis à la Bible qui est capable d'aider nous à venir sages, aider nous à vivre de façon qui agréable au Seigneur. Deuxième pari que nous avons posé, c'est quoi la Bible La Bible qui est la parole de Dieu, c'est l'inspiration de la Bible. Si nous lisons dans le même texte de dit dans 2 Timothée chapitre 3, verset 16, il dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Euh, deuxième bagaille que nous sommes capables de lire, c'est Alphonse coupé dans 2 Pierre, dans 2 Pierre chapitre 1er, dans 2 Pierre chapitre 1, euh, et puis dans verset 21. Alors 2 Pierre chapitre 2, verset 21, côté que Pierre lui-même l'Ipral dit, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. En ce sens, nous venons de comprendre que ça que nous avons aujourd'hui, nous la Bible, c'est pas nous-mêmes. Ce n'est pas comme si des gens qui ont choisi de bon, ok, nous parlons, nous parlons et qu'on livre. Non, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. C'est comme nous dit, c'est inspiré par le Saint-Esprit de Dieu que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, la Bible, contrairement à tout l'autre livre que nous avons fait, nous avons écrit, la différence c'est que peut-être pour remplir peu l'autre livre, seulement ça qui gagne, gagné, cohésion et en liaison avec euh, la Bible. On de dire que peut-être des, des écrivains, des auteurs chrétiens capable capables de mettre des paroles qui sont capables d'utiliser nous, qui sont capables d'aider nous. Nous ne pas remarquer que vraiment, la Bible, ça, livre ça se sent comme sensation, comme émotion, ça sa traverser les différents de, de l'autre livre. Yo. Donc c'est un livre qui est extraordinaire, c'est un livre qui est surnaturel, parce que c'est inspiré de Dieu. Il y a un pile de gens qui peuvent en tête que le livre, est li, naturel, li ordinaire. Non. Peut-être que y a pile de discussions qui fait, est-ce que c'était inspiré par Dieu? Est-ce que les si écrit? a écrit, vraiment c'est qui a gagné l'esprit de Dieu sur eux? Mais... nous est à tête, non pou yon liv ekris penan tout ane si la yo, par tout aoteur sa yo, anviron 40 aoteur, epi pou l genyen koheran sa ki soti la den kon sa, pou l genyen tout, uh, mwen te ga di bagay si la yo ki liye la den kon sa, non, non, sa se, mwen te ga di l om pa gen ase de kapasite, pou yon te kapap penan tout se zane, produy yon dokumen ki te kapap jan liye la, Donc nous sommes d'accord que la Bible, ce n'est pas n'importe quel livre, mais c'est un livre inspiré de Dieu. Ça fait nous sommes d'accord avec 4VH qui dit « La Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. »« La Bible, la parole inspirée de Dieu, notre boussole infaillible. » Faut Maxime qui me que parce que le livre ça, c'est déjà un livre inspiré de Dieu, il important pour que moi-même, avec nous, on nous encore plus d'importance. Pour nous, pas pour mettez mettre en côté, C'est chaque fois n'a l'Église, pour nous passer prendre nous nous deux trois trois to nous essayons de pousser did an Puis puis nous retour, on a to go to 80. nous nous là encore nous là, pour no, non 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 Non, 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 que la Bible comme no, amis. Parce que c'est inspiré de Dieu. Donc, si l'inspiré de Dieu, c'est pas pour si Il était inspiré de Dieu. Parce que a un bagaille que bon Dieu t'a voulu dire nous. Il y a des secrets cachés que bon Dieu t'a besoin de révéler nous. Il y a des que bon Dieu t'a besoin dit à la fin des temps. Pour que nous connaissions et pour nous bien assimiler. Pour nous capable de pratiquer. Yo. La Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Parce que la Bible, c'est la parole inspirée de Dieu. Et t'es où t'as dit, c'est notre boussole. 4H. Euh, Uh, amplifié par là, il fait le plus bien, plus bel, plus intéressant. le dit, c'est notre boussole infaillible. Si c'est la Bible qui conduit nous, nous pas tomber dans le trou. Si c'est la Bible qui a conduit nous, si c'est la Bible qui nous comme boussole, si c'est la Bible qui si est comme marche à suivre, si c'est la Bible comme guide, comme échantillon, si c'est la Bible comme euh, comme guide, c'est certain. C'est qu'on a privé euh, à bon port. C'est certain qu'on a marché dans la voiture. Oui, c'est certain que nous, dit, nous essuions dans la justice. C'est ça qui fait que je suis d'accord avec Salmista qui dit dans le psaume 119 au verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Lorsque moi, j'ai gagné la Bible comme boussole. Je ne pas tomber dans le trou. Parce que je suis même éclairé. Je pas faire faux pas. Parce que route la route est bien éclairée, bien garnie devant. Je ne de dire mes côtés, je ne mettre les pieds. Parce que je la Bible comme boussole. Je pas perdu. Vous savez que je dis il y a la grand nombre qui tombe dans le trou. grande grand qui fait faux route. Pour qui ça C'est parce qu'ils ont détourné du sens. Uh, uh, principal ordinaire de la Bible, et a cherché d'étourner sens li, il a cherché tellement de choses, il cherché tellement et des idées philosophiques, il a basé sur ça, puis il a dit, ça fait moun que monde si yo au lieu de fait bon Dieu plaisir, mais de déranger bon Dieu, il a gâté son bon Dieu, en ce sens que il a vécu pour lui, il a vécu pour la société, il a pour uh, peut-être pour cette religieuse que là a mais il n'a pas pour bon Dieu. Bon Dieu, ben nous la Bible, parce qu'il connaît que gué bagay, que Bible a pas prendre, non, c'est boussole non. Le la machine dans en Bible sous, sous euh, sou parole, bon Dieu a, ça comme garantie, ou pas qu'à tomber dans le trou. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'éternel et qui la médite jour et nuit. Comment mounzaïe? Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. une bénédiction. Le monde prend une décision pour capable marcher dans la parole bon Dieu, à sous-trace la, la Bible qui se parole bon Dieu, parce que c'est boussole qui s'en so vient comme boussole, qui s'en so comme modèle, comme guide, comme échantillon. Et tout le barricade est capable de gagner, il n'y a ça de garantie, il a de fausseté, il n'y a de broncher, il de tomber. Mais si c'est la Bible, la parole de Dieu qui uh, conduit ou qui uh, guide, c'est certain que vous priver à bon uh, port. Uh, après la question que nous avons posée, c'est quoi la Bible qui t'a aidé nous, fait un petit panorama de, 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 de livre hein? ça, euh, qui t'a fait nous inspiration de la Bible et la Bible comme pour nous. L'important qu'on y a là pour d'essayer essayer de répondre à la question sa, pourquoi la Bible Pour qui ça, euh, bon Dieu lui-même, volontairement choisi de mettre à la disposition de nous livre ça Pour qui ça Parce que j'aime rien, bon Dieu fait pour de merci. Si. Tout ça, bon Dieu fait, il a raison extraordinaire, il y a une raison euh, express qui fait que il fait. Ben, nous gagnons la Bible, la parole de Dieu comme euh, un livre qui gagne un peu d'importance parce que la Bible, ça a aidé nous. C'est ça qui fait que nous parlons de la nécessité de la Bible. est nécessaire pour gagner. est nécessaire pas seulement pour gagner la carrière, non, mais pour lire les li tout. C'est nécessaire pour capable lire la Bible, la parole de Dieu. est nécessaire pour faire des amis avec ça parce que c'est lui-même qui a aidé au connaître volonté de bon Dieu, aidé au faire bon Dieu plaisir, aidé au rester ferme sur la route. Qui est-ce qui est capable de faire un bon chemin? Qui est-ce qui est capable de gagner une victoire? Qui est-ce qui est capable de marcher dans la droiture, marcher dans l'exactitude, marcher dans une euh, 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 ligne droite si il pas gagné rien oriental s'il pas gagné en comme rappel la bible lui servi de rappel pour un avec vous en ce se sens que la paix des nous en ce se sens que la paix des nous pour nous capables vivre pour bon dieu vivre pour bon dieu comment et bien nous à travers la bible ouais, qui ça que nous café et qui ça que nous devons éviter pour que ça nous dit la bible nécessaire pour gagner nous même dit à vous même Cap, suivre nous la captaine de nous là ke menm jan bre dlo li util, sou ba bre dlo wap mouri, menm jan ke prason pa ka viv an deyor de dlo lan mè a kote waliye la, ebe se menm jan tou yo kretyen ki a viv an deyor de la Bible, ou se yo kretyen da ka di ki po al mouri spirituelman. Il y un chrétien qui parle chétif, il y un chrétien qui ne peut qui ne croître spirituellement. Parce que la Bible, c'est ça qui servit de nourriture pour nous. Jésus, tellement tu te comprends ça, hein? dans Matthieu chapitre 4, dans la tentation sur euh, euh, la montagne, quand Jésus finit de prier dans le désert et Satan, lui-même, l'a tenté. Il dit, si c'est vraiment où c'est. Petit bon Dieu, By Lord, pour que oua, ça a tout n'est pas. Et Jésus t'a parlé, réponds Satan parle la parole pour le dire l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4:4 L'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus dit comprendre que c'est nécessaire la parole. L'homme et la parole, il fait que ou ca qu résister à toute vente de doctrine. Lorsqu'on est la parole de Dieu, il fait que mon ne pas faire tintin, mon ne pas faire bon, je ne pas faire faire fausse route. Lorsqu'on est la Bible, la parole de Dieu, il aide ou jouit les bénédictions de Dieu, il permet ou jouir les bénédictions de Dieu, parce que à la mesure qu'on on connaît parole, bon Dieu, ça peut permettre que ou même ou une façon qui fait bon Dieu plaisir, ou marcher au pas. Vous marchez dans la ligne, bon Dieu, hein? et ça ne fait que vous-même, vous jouez bénédiction, bon Dieu, vous pouvez comprendre qui ça, bon Dieu, veut, vous pouvez comprendre que ça bon Dieu dit, vous pouvez comprendre qui ça, bon Dieu, d'accord, et qui ça, pas d'accord, tout ça, d'accord, vous avez fait, tout ça, d'accord, vous avez vous fait, ou a, ou a fait tout. et ça dépend de vous, vous avec l'aide du Saint-Esprit, et ça parle permettre que vous jouiez bénédiction, bon Dieu. Ce nécessaire pour nous capables de gagner la Bible, la parole de Dieu. Au Psalmi 19, il dit, la Bible est douce, pas seulement si au miel, qui descend capable dans la gorge, moins Elle douce. Donc, il important pour nous comprendre que la Bible, la parole de Dieu, est capable de nous rester collés. Puis, pour le bon Dieu, nécessaire. Pas seulement miser sur l'habillement. Pas seulement miser sur ce qu'on va manger, pas seulement miser sur le voyage, pas seulement miser sur le travail, la, sur l'argent qui va prendre. Mais il est important que vous miser sur la Bible, la parole de Dieu, parce que c'est nécessaire en pile. Il y a des choses a besoin chaque jour, des besoins fondamentaux. Les bon pour aller à l'école, pour un tout. Il tout. Les bon pour gagner un bon travail, pour gagner un bon côté pour l'été. Mm -hmm, tout ça est important. Tout ça est important. Mais il y a vraiment qui est indispensable dans la vie. Quand on parle de vivre pour bon Dieu, si on ne peut pas gagner, il y a une marche à suivre. Quand on parle de vivre pour bon Dieu, si on ne peut pas gagner, la Bible qui est là pour orienter. Ou. La parole de Dieu est importante pour nous gagner parce qu'elle est capable d'aider nous à vivre pour bon Dieu, vivre bien pour bon Dieu. Elle nécessaire. Pour nous capables gagner un exemplaire. L'innécessaire pour nous capables de lire chaque jour. L'innécessaire pour nous capable de marcher dans la parole bon Dieu. Ya. Et c'est là que nous avons fait bon Dieu plaisir. Comment le jeune homme rendra t il pur son sentier? C'est en se dirigeant d'après la parole de Dieu. Psaume 119, verset 9. Dans verset 11, il dit comment le jeune homme rendra-t-il pur Alors, il dit dans verset 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, l'important, important, nécessaire pour nous capables de gagner la Bible à porte de Dieu. Ça permet que nous vivions une vie qui fait bon Dieu plaisir. Euh, pourquoi la Bible Quelle est son importance La Bible est importante en pile parce que d'après ça, sujet qui était euh, imposé à nous on dit. La Bible est utile pour instruire dans la justice. La Bible est nécessaire, la Bible est utile. Voyons, mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, l'utilité de la Bible comme la parole de Dieu. Pourquoi est-il si important et même indispensable de marcher dans la justice? Il est important pour nous capables de marcher dans la justice. Est-ce que ça a gagné des résultats? Est-ce que ça a des avantages? Oui, il a des avantages. La Bible nous instruit dans la justice. Instruire dans la justice. La Bible a bonne instruction, Famaxem. La Bible a bonne instruction. Il y a un mot qui forme dans sujet c'est instruire dans la justice. 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 Des à justice, ou est tout bagaille qui doit. Justice, c'est ce qui doit, euh, que nous a pratiqué, ça que nous avons vécu là-dedans. Il est important pour que nous soyons capables, ou est, que y a un monde qui a marché dans la justice. Il gagne plusieurs mots qui viennent. Correct mot, ça, justice. Il gagne plusieurs synonymes. Euh, parler de la justice, c'est parler de l'obéissance à la loi de Dieu, l'obéissance à la loi divine, l'obéissance à la parole de Dieu. Il y a un monde qui a la justice, c'est un monde qui fait fe, affaire droite, un monde qui marche dans la ligne que bon Dieu trace, dans la nan, 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 limite que bon Dieu baille. Donc, il y a un synonyme que nous sommes capables d'évoquer à terme, à mot, à justice, ben, c'est obéissance, c'est droiture. Parler de droiture ici, c'est faire tout ce qui est droit. C'est rectitude, c'est intégrité. Frère Maxime, la droiture, c'est disposition à se conduire, à se comporter toujours conformément aux règles du devoir. Parler de droiture, c'est parler de rectitude, c'est conformité à la règle droite, au vrai principe. Le monde d'accord pour capable de faire de la Bible en et capable permettre que vous instruire dans la justice, Ça va permettre vraiment que vous soyez un monde qui fait affaire droite et qui monde bon Dieu a chercher, qui monde bon Dieu d'accord avec vous, ak qui monde bon Dieu en milieu c'est monde qui fait affaire yo droite. Il y a un synonyme que nous joignons à mot justice là, c'est intégrité l'intégrité, c'est vertu, c'est qualité, euh, d'une personne intègre. Et parler de vertu ici, c'est où est un monde qui a fait ça, qui complet. un qui doit, un qui pas abîmé. yon pas aucun problème là-dedans. Donc, ça dit, c'est un barré qui est capable une félicitation pour, pour lui-même. Euh, 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 la vertu renvoie à une disposition ferme contre, euh, c'est euh, constante de l'âme une disposition ferme une disposition constante de l'âme qui nous porte à faire le bien et à éviter à fuir le mal donc être intègre c'est être en état parfait c'est être droit c'est faire ce qui mérite l'approbation c'est être honnête être irréprochable est-ce que ou même ou Patarin mais Marcher dans la justice, parce que toute cette dit de justice, il n'a pas grand-rien de mauvais en yo. pas un rien, puis au reprocher nous, puis au blâmer nous. L'important Li pour nous comprendre que l'heure apporte l'abdi, la parole de Dieu, la, la Bible est inspirée de Dieu pour être utile pour instruire dans la justice. Cette expression montre que l'Écriture doit aussi élever, former le croyant afin qu'il apprenne à marcher dans la justice. Pratique, c'est pas la justice théorique. Ou l'embouche, ou abdi barre la pour faire mais c'est leur pratiquer la justice. C'est-à-dire, on vit un rapport, un accord avec la parole de Dieu. L'important pour nous comprendre. Que sa bonne Dieu voulait à même il fait la pousser, nous la prendre nous la nou pour nous marcher dans la justice, c'est parce qu'il veut nous river dans une dimension d'état d'homme fait. Il veut nous river dans une dimension côté que nous parfait, nous doit totalement nous compléter devant lui. Mes chers amis, bien-aimés dans le Seigneur, il important pour me rappeler où je il important pour me rappeler où à travers message, que bon Dieu a pas pour nous faire affaire à nous de ouate. Marcher dans la justice. Dieu nous instruit. Dieu, euh, à travers la Bible, la parole de Dieu, a informé nous, la formé nous, la travaillé nous pour que nous soyons capables de faire affaire à nous de Oui, la Bible est utile pour instruire dans la justice. La Bible est dans la justice. Écriture, c'est Dieu qui formé penser nous vous ont formé nous caractère. Ils ont montré nou ke, comment nous pouvons vivre une vie qui est bonne pendant que nous sommes jusqu'à ce que nous allions dans l'éternité. Et là lire la parole de bon Dieu, vous pouvez comprendre que le travail qui doit fait dans nous, dans les gens que nous parlent rien pour nous, nous n'avons pas qu'à faire, même si nous passons l'école classique. Nous ne pouvons pas faire même si nous passons dans l'université. Nous ne pouvons pas faire même si nous sommes des amis mon l'église. Mais nous pouvons là-dedans. C'est là que nous-mêmes, personnellement et individuellement, nous d'accord pratiquer la Bible, la parole de Dieu. Pendant que nous parlons de la Bible qui est utile pour dans la justice, je attire attirer l'attention sur la déclaration silao que le psalmiste en fait dans le psaume 119, verset 98, 99 et verset 130. Il dit, tes commandements m'ont rendu plus sage que mes ennemis, car ils sont toujours avec moi. J'ai plus d'intelligence que tous ceux qui m'enseignent, parce que je médite tes préceptes. L'entrée de tes paroles illumine, donnant de l'intelligence aux simples. Le non d'accord marcher dans la justice nous va arriver nos dimensions, même peut-être qui est formé mieux par ses noms intellectuellement. Même les gens qui ont passé dans l'université, On ne pas que qu'au pa final, il va faire ça qui est bien passé. Parce que nous avons on une marche à suivre, nous avons modèle, nous avons boussole, nous avons la Bible qui a orienté nous, qui a aidé nous vivre dans la justice, qui fait nous pratiquer des choses qui fait bon Dieu plaisir. Mes chers amis, bienvenue dans le Seigneur, pourquoi est-il. Si important et même indispensable de marcher dans la justice, les gagne plusieurs avantages que ça baille le nous a pratiquer la justice les nous faire affaire nous nou droite justice ici c'est droiture et, et, et libelle Oui pour nous saisir force mot ça d'ailleurs même l'un nous avons mettre accent sur que bon dieu fait pour nous le nous accepter Jésus qui les justifier nous de les venir faire nous juste et, mais l'important important pour nous comprendre que étant en Jésus-Christ nous avons besoin pratiquer la justice c'est pas dans bouche non, non? c'est pour nous pratiquer le faire faire nous marcher dans la justice connecter avec bon Dieu, faire bon Dieu plaisir. On doit avantages. avantage. On qui ça qui bon, qui ça comme bénéfice. L'heure, nous pratiquer la justice. le nous d'accord pour nous marcher dans la justice. L'un quitter la Bible, qui c'est la parole de Dieu, instruit nous dans la justice. Qui ça qui le bail comme avantage? Premier bagage que ça baille comme avantage, lui permet que nous venions mon qui droite. Les nous d'accord marcher dans la justice, mon qui a marché dans la justice, bon Dieu ya, yo c'est mon qui doit. Ils sont doit. Selon 1 Jean chapitre 3 le verset 7, yo wè nous comme mon qui doit. Ou connaissez que dans le monde il hmm. y a un monde qui doit, il y a un monde nous dit ici, ça veut dire c'est monde qui fait affaire yo sans force côté. C'est mon sous w'a checker, w'a vérifier, w'a garder mode de vie yo, ou ka forge bagay sur yo ou oka accuse yo mais en réalité ou croit que moun yo, c'est moun qui fait affaire aux droit. ou a toujours inventé, cause sur yo. mais leur gars ou que moun fait affaire aux droit. pendant que n'a dit ça ça rappelle nous l'histoire de Daniel qui était dans royaume d'Arius et qui était un poste important que il était Daniel chapitre 6 lorsque monsieur yo qui a travaillé aux côtés de Daniel peut-être que l'a dirigé lui-même

E pa sou pa jwen anyen pou yo ka roubou cheli nan prensi la yo, yo di a, a mons ki yo nou ta kapab jwen yo tou vide nan afer spirituel yo pou nou ta kapab jwen koman e nou kapab a, 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 a piyeje misye nan koman li servi bon diyo pou nou a koman nou ta kapab jwen nou fason pou nou fè misye perdu pou sa e men perdu la vil. E misye pa jwen waa pou yo kapab di waa, be, nou mande wou kapab bayon de kre kwen nan interval yon mwa se se lou pou yo adorep. Et ça, il dit à vraiment, c'est un bon côté, parce que là, a un vrai serviteur de Dieu qu'on est que, pas pour l'adorer, n'est pas pour posterner, n'est pas pour servir personne, notre créature. Il seulement connaît qu que il doit servir le créateur là. Mais là, vous avez accusé Daniel. Et Daniel, même si était au courant, pendant que était au courant de décréer, ça va t'empêcher, comme auparavant, trois fois par jour, d'appeler la, la prière. De ça dire il est important pour nous comprendre que même si les hommes t'as capable peut-être envie de son nom, c'est pour nous checker, c'est pour les garder. Il ne a pas un mal à nous, nous, n'y toujours inventé, causé. Mais il ne faut pas un mal à nous. Donc, ça à dire qui avantage que ça baille, ça permet que nous, qui doivent marcher dans la justice. Pendant qu'on a marché dans la justice, si on a bay bay nou avantaj, que nous comme avantage, il fait que nous bénéficions de la faveur euh, de Dieu nous jouit de faveur de Dieu. Ça va le permettre que l'heure, nous parler avec bon Dieu, l'étendez-nous. L'idée dans chapitre 10, verset 35, nous sommes acceptés par Dieu. Bon Dieu, acceptez-nous. Ce n'est pas monde qui bonté, vraiment. Mais parce que nous décidons de marcher dans la droiture, nous décidons de marcher dans la justice, ça fait que bon Dieu, acceptez-nous. Bon Dieu, mettez-nous bon côté. Ça peut être aussi que nous sommes aimés de Dieu. Nous sommes aimés par Dieu. D'après le psaume 146, verset 8, proverbe chapitre 15, verset 9. Bon Dieu, remet nous Parce que nous décidons de marcher dans la droiture, dans la justice, ça veut que nous jouons privilège Que bon Dieu lui-même lui remercie-nous. Frère Maxime, il est important pour nous comprendre que nous décidons. Marcher dans la justice, nous va déranger bon Dieu. Au contraire, nous faisons bon Dieu plaisir. ne nous parlons avec bon Dieu. Le, tendez. Le, répond. Le, exaucer, nous tendait' nous répondons. Nous exhaussons prier à nous. Luc 18, verset 7. We nous yon prions, bon Dieu, tende, exhausez, nous décidons vers qui doit. Jacques 5, verset verse 16. Le nous décide de faire ça qui doit, le nous parler avec bon Dieu, le nous crier dans le bon Dieu, le nous relève, de nous Et ça permet aussi que bon Dieu bénisse nous. Parce que si bon Dieu est d'accord avec nous, nous qui fait ça qui doit, c'est normal pendant que nous fait ça qui doit pour que nous soyons capables de de privilèges Non, mais bon Dieu. Pendant que nous fait ça qui doit, bon Dieu a jeté bénédiction sur nous. Si bon Dieu est capable de maudire, est capable de caler, de fouetter, Uh, corriger le monde qui a fait ça qui mal, qu'en eh ben, est-il de monde qui a fait ça qui bien? Le monde qui a fait ça qui doit, droit, marcher dans la voiture, va marcher dans la justice, eh ben, ça parle fait que bon Dieu les venu, les délivre nous, bon Dieu passer avec nous. Lorsque nous décider de marcher dans la voiture, ou dans la justice, bon Dieu délivre nous de tout souci. N'importe ce qui a gagné comme problème, n'importe ce qui a comme difficulté, bon Dieu a mis nous a dit Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il est important pour nous comprendre que l'un on décide de marcher dans sa qui doit. Ça veut dire que nous parmi monde bon Dieu, nous faisons partie de quand bon Dieu, nous faisons partie de monde qui cherche journellement faire bon Dieu plaisir, ça permet que nous sommes en danger, nous sommes en difficulté, nous venons pour faire nous stresser, nous venons pour nous problème des problèmes, nous pour finir avec nous, nous référence, nous faisons des qui nous que nous qui nous avec lui qui c'est bon Dieu qui est en haut dans le ciel. Là. Pendant que nous-mêmes, nous, nous décidons marcher dans la justice, nous décidons de marcher dans la droiture, ça que bon Dieu ne jamais, abandonner nous Dans le psaume 37, verset 25, le uh, psalmiste l'a dit, David dit, moins fait, moins grandi, moins vieilli, moins jamais voyons juste, abandonner. Et ni postérité, il y a de pain. Donc l'heure où vous décidez de faire ça qui fait bon Dieu plaisir, bon Dieu prend. Uh, plaisir dans prend soin ou faire route avec fait provision pour vous-même il y a avantage il y a avantage que nous jouissons pendant que nous-mêmes nous marcher dans la justice nous qui la Bible insuie nous dans la justice living fait ça nous uh, nous avons besoin nous nous avons ça qu'une gagné comme besoin yo bon Dieu travaille, il fait planification il fait provision Uh, Il important pour que nous considérions ce que Jésus a dit dans le sermon sur la montagne, dans Matthieu chapitre 6, verset 25 à 33. Il a considéré avec les gens qui n'ont pas besoin de la crédit pour rien. Ces mêmes les gens qui n'ont pas de ils ils pour rien, mais bon, Dieu prend soin. Il a gardé fleurs dans le uh, 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 fleur nan, nan, nan jardin. Il dit même Salomon a tout splendeur. Dans toute richesse que les gens pas habillé, même ja avec des fleurs qui qui dans de savon. C'est bon Dieu qui fait tout le travail ici. Qui s'est-il fait pendant que nous avons plaint, nous avons inquiété, pendant que nous avons tête nous. tête Est-ce qu'on va faire cheveux noirs ou blancs Qui s'est-il fait pendant que nous-mêmes avons la tête tête pour ça que nous pouvons gagner Nous n'avons pas gagner absolument rien que nous avons fait. Seul s'est-il fait de préférence c'est marcher non chez chemin qui doit. Marcher dans la doiture. Faire volonté bon Dieu. Faire bon Dieu plaisir et qu'on sache bon Dieu lui-même. La faire reste là. Il s'agit de dit. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Si seulement besoin... Jésus quand dit à manger gagner, bon dieu c'est vivre dans la justice marcher dans la justice dans la droiture marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu même Jean bon dieu t'as reproché le roi Saül dans Samuel 15, pour dire que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Important pour que avec vous, nous avec nous marcher dans l'obéissance à la parole de Dieu. Cela veut dire marcher dans la droiture, marcher dans la justice. Que bon Dieu est capable d'aider nous pour nous faire ça qui doit. Guétois, monde qui fait malversation. Il y a trois personnes qui ont fait ça qui est mal. Il y a trois personnes qui ont fait parler l'évangile mal aujourd'hui. Il y a trois personnes qui ont corrompu. Il y a trois personnes qui vivent dans des débauches. Il y a trois personnes qui ont fait des choses qui dérangent le bon Dieu dans le monde. L'important, c'est qu'il y ait un bon, groupe de personnes qui se levent et qui dit, oui, nous sommes d'accord pour nous faire bon Dieu plaisir. Oui, nous sommes d'accord pour nous faire nos droits. Oui, nous sommes d'accord pour nous vivre. Pas avec force, nous, mais avec l'aide du Saint-Esprit. Nous sommes d'accord pour nous vivre selon la parole de Dieu. Nous sommes d'accord, vivre. D'après la parole de Dieu, eh bien, ça fait nous jouir. Bénédiction, non mais, bon Dieu. Il y a un embarras que nous jouons. le nom d'accord marché de la justice, ça fait que nous connaissons les secrets de Dieu, les secrets du Seigneur. Euh, selon Psaume 25, verset 14. Comme si il y un que bon Dieu pourra nous communiquer. Il y a un embarras qu'on pourra nous connaître. Il y a une information qu'on pourra nous joindre. Il une révélation pour pourra nous joindre. Parce que seulement où d'accord marcher dans la droiture, dans la justice, Proverbe 3, verset 32, leur d'accord mène on vie ben, qui doit, où c'est monde qui mais, 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 la, dis, est capable de jouer un secret, le monde qui est capable de connaître bon Dieu. là Jésus te dit, je ne vais pas prendre nous nos serviteurs, je vais prendre nos amis. Parce que je dis, plus de fois, le serviteur ne va pas connaître qui ça fait. mais les amis, ils sont au courant de tout le bagaille. Et pendant que vous pratiquez la justice, pendant que vous vivez dans la justice, vous marchez dans la droiture, vous une un ami bon Dieu. Et parce que vous amis bon Dieu, alors c'est ça, il dit dans Jean 15, et ne nous parle de toute bagarre de Dieu. Les y ont un bel exemple, il y a dans la Bible. C'est dans Genèse chapitre 18, Genèse uh, chapitre 19, côté que vous avez raconté, bon Dieu qui parle détruit Sodome et Gomorre. Il dit, est-ce que je peux cacher ça à un serviteur Il te met à boire beaucoup. Là, c'est le monde qui est ami, bon Dieu. Ou c'est le monde qui a pratiqué la justice. Ou c'est le monde qui a vécu une façon qui fait bon Dieu plaisir. Il y a des secrets que bon Dieu va révéler. Il y a des choses que bon Dieu va nous informer nou de yo. Oui, il y a des choses que bon Dieu va di nous non L'important pour que nous comprenions, c'est que nous devons marcher dans la justice. D'ailleurs, c'est ça même que bon Dieu fait. L'un a lu euh, psaume 23. Dans son verset 3, il dit il restaure mon âme. Il me conduit dans le sentier de la justice à cause de son nom. C'est volonté bon Dieu même pour nous pratiquer la droiture. C'est volonté bon Dieu même pour nous marcher dans la route qui doit nous faire faire nous clair, c'est volonté bon Dieu même. C'est ce bon lui qui conduit nous dans le sentier -il. Il de la justice, le sentier de la justice. me chemin le chemin Chemin à mon affaire chemin qui est correct, le chemin qui est correct, c'est bon Dieu même qui euh, a dans ce chemin et qui conduit nous. Pour qui ça? C'est parce que nous vivre comme ça pour faire plaisir. C'est lui même qui choisit de conduire nous dans le Pour qui ça? À cause de son nom. Parce que non, bon Dieu même, c'est le droit. Non, bon Dieu même, c'est le eh, droit qui correct. Donc, on ne peut pas dire que c'est serviteur bon dieu, servant de Dieu, c'est le de Dieu, pour faire un choses qui pas normal. Ou pas qu'à dire que la Bible inspirée de Dieu comme boussole et que dans ma chair, il exemple. Il y a ouais que ou ne pouvez pas faire ça qui doit. Ou pas vendre même à tout le monde. Ou toujours un faux prix. Il y a que dans famille, nous ne pouvons pas vivre bien. Dans communauté chrétienne, nous ne pouvons pas vivre bien avec tout le monde. Non. Si c'est moun monde qui connaît bon Dieu, ou c'est moun monde qui vu d'abord la parole de Dieu, ça va le permettre ou son modèle quand le passé. Parce que là, c'est pas la chair et le sang qui conduit encore. Mais on vient à conduire là par le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui même qui a montré tout toute bagaille. C'est lui même qui a aidé nous marcher dans façon qui fait bon Dieu plaisir. Que tout ça qui doit, tout ça qui pur, tout ça qui correct, tout ça qui mériter approbation capable objet penser nous. Bon Dieu veut que nous marcher, nous vivre, nous rester constamment sur route droite là, sous sentier justice là. L'important pour Maxime, pour nous comprendre que c'est volonté de Dieu, pour nous marcher dans la droiture, Il nous instruit dans la justice. La Bible est utile pour nous instruire dans la justice. Si vous avez dans toute la Bible, vous allez remarquer que parmi les royaumes qui étaient choisis pour faire la au ils ont fini bien. Parmi les royaumes qui été choisis pour faire des affaires là ils ont fini bien. Bon Dieu est ont royaume est Mon Dieu t'a mi béni, yo, il t'a fait grand. Et si l'on avez choisi à tomber dans l'idolâtrie, si l'on avez choisi vivre dans la corruption, si l'on avez choisi à vivre dans la prostitution, l'immoralité. On ça. de choses comme ça, on ne peut pas finir bien. L'important, pour qu'on soit capable de marcher droit, pour qu'on soit capable de connecté avec bon Dieu, Et c'est là que nous parlons de privilèges, de bénédictions, de tout avantage que bon Dieu lui-même lui a accordé en Jésus-Christ. Frère Maxime, pour qui tout bagage est ça Pour qui ça Bibla, non seulement inspirée de Dieu, mais il est utile également pour l'instruire dans la justice. Et Mais réponse-là, l'éclair, et c'est dans verset 17-là que nous joignons, il dit, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre œuvre, c'est pour nous capables de vivre à l'état d'homme fait. C'est pour nous capables de vivre à l'état parfait. C'est pour nous capables de vivre dans le niveau que mon Dieu veut nous nourrir. Dans... C'est pour nous capables de vivre dans la dimension que mon Dieu veut nous évoquer depuis la fondation du monde. C'est pour nous capables de vivre, jeune, ça que nous t'es perdu. Dans le, jardin de den, le péché est rentré. Pour nous capables de vivre parfait. Le monde est fini, l'homme, il dit, moi, je well, très bon. Mon Dieu veut nous vivre. Dans niveau, ça, dans la dimension, ça. Pour gagner maturité spirituelle. Comment pas le faire grandir spirituellement si vous pas la Bible comme nous amis Comment pas le faire connaître volonté, bon Dieu, si ou pas la bibou Comment pas le faire faire bon Dieu plaisir Ou pas le faire quelquefois déranger l'homme pour faire bon Dieu plaisir Si la Bible, c'est l'ennemi que lié est pour vous. L'important est important pour que vous prendre plaisir dans lire la Bible, ou la parole de Dieu. Et c'est là que ça va jouer bénédiction, bon Dieu. Bon dimanche que bon Dieu vous arriver vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça encore. Vivre tomber, toute la journée et succomber tentation. Nous sommes des gens qui... Non, 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 Madame à droite, madame à gauche, ménage à droite, ménage à gauche. Nous sommes des gens qui ont fait des Nous sommes des gens qui ont parlé de mal. Qui ont mentir je ne veux Nous sommes des gens qui remet l'argent. Nous sommes des gens qui à la fois penser que nous avons un bon Dieu et une magie. Nous sommes des gens qui pensent que nous avons un bon Dieu et nous, nous avons une occultes occulte, etc. Non, 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 non. Si ou pas dans la Bible la parole de Dieu, vous pouvez toujours tromper. Mais c'est lorsqu'on perd sur parole, bon Dieu, on va le comprendre, que dimension que bon Dieu besoin de c'est ce n'est pas dans leur bagaille pour y aller. Il faut rester droit et il faut rester seulement connecté avec bon Dieu pour qu'on arrive dans l'état d'enfer, faire ça que bon Dieu espère nous arriver. C'est ça, volonté, bon Dieu. Maxime, on a fini pour nous faire comprendre que si seulement vous voulez vivre pour bon Dieu, si seulement vous voulez marcher dans, dans la droiture dans la justice, les gains ont référence. Les gagnants y boussole, et c'est la Bible, la parole de Dieu. Dans cette Bible-là, m'a rappelé que la Bible est inspirée de Dieu, et la Bible c'est une boussole qui est infaillible. La Bible est capable, utile nous empile. La Bible est nécessaire, c'est une nécessité pour que moi-même avec vous, nous été collés sur les, nous, nous, nous marchions avec lui et c'est le ça, nous va jouir de tout avantage. C'est le ça, nous va jouir de bénédiction, mon Dieu. Oui, c'est le ça, oui. Nous sommes capables de même Jean, avec Salmé, c'est le verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Combien faut dépenser pour acheter une Bible? En un plus, plus sensible, si le téléphone est gâté, pour acheter un téléphone n'importe qui prix, tandis que pas même un exemplaire. La caillou, de la Bible la parole de Dieu. Et le téléphone pas important, c'est la Bible. Parce que même avec le téléphone, vous avez a Même avec le téléphone, vous avez tué. Même avec toutes les autres choses ko qu'on gagne comme avantage, comme profit dans le monde, comme euh, connaissance, etc., on fini mal. Mais si la vie est construit sous parole de Dieu, sous work solide, là y sérieux c'est se garder ou c'est coupé au coup de jeu. La vie ou pas de passer mal. D'ailleurs, ou déjà il y a un monde qui bénissent. déjà il y a un monde qui affermi. Même si God leur vient, va-t'en venir. Tout le monde qui vient pour secouer moun gens, Dieu fini avec moun ou même à vous jam parce que camper ou bâtir sous parole, bon Dieu. Que bon Dieu capable d'aimer moi avec vous pour nous connecter avec lui à travers la Bible. Que capable e de swim, suivre. Que capable de nous marcher dans route qui doit pour nous capables de lever un euh, flambeau l'évangile à bien haut, que nous capables de côté nous passer pour bon Dieu, que nous capables de bon goût dans la société, ça qui est en dépravation, parce que seulement nous avons la Bible, la parole de Dieu, nous avons temps nous, la avons nous, parce que nous avons pratiqué et nous avons arriver à faire ça qui est bien, ça qui fait bon Dieu plaisir. Que bon Dieu bénisse et bonne fête de la Bible, avec la radio-télé 80 h